Est-ce que la phrase "ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves" te parle? Si elle te parle, aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'interviewer Olivier Roland, qui pour moi symbolise le mieux cette phrase, parce que il passe sa vie à vivre ses rêves plutôt qu'à les fantasmer et les rêver. Donc merci Olivier en tout cas de m'accueillir Merci à toi. sur ma chaîne. C'est vraiment ça va être une vraie belle vidéo et c'est Olivier, c'est si tu me suis sur ma chaîne Esprit Gagnant, c'est un mentor. Je parle de son livre. Je parle de beaucoup de choses autour de bon sceptique, mauvais sceptique, diète médiatique, plein de choses qu'on peut apprendre dans ton livre. Ouais. Donc, merci en tout cas de me recevoir. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas? Moi, j'aime bien dire que je suis en fait prof de liberté. J'inspire en fait les gens à être davantage libres matériellement. Pour moi, ça passe essentiellement par l'entrepreneuriat, même si on peut tout à fait s'épanouir en étant employé, bien sûr, hein, et aussi en étant libre dans sa tête. Donc, ça passe essentiellement par le développement personnel, tu vois, ne pas être addict à des choses qui ne sont pas très positives dans notre vie. Et puis aussi savoir étendre ses horizons pour pouvoir, comme tu le dis, vivre ses rêves plutôt que passer sa vie à rêver. Je sais qu'Olivier est assez joueur en challenge, comme arrêter de faire quelque chose pendant une semaine, pendant 30 jours, etc. Ça, je vous le propose assez souvent, des petits défis pour essayer de faire des petites actions, mais qui vont changer la vie. Si tu devais me donner trois actions, nous donner trois actions à mettre en place, trois actions rapides à mettre en place facilement pour augmenter sa productivité. Oui, bien sûr, y a des tas de possibilités. La toute première chose, c'est déjà d'éliminer en fait ce qui sert à rien. Et ça peut paraître très trivial de dire ça, mais en fait, on s'est tous mis dans des activités, souvent pour des bonnes raisons au départ, mais pas toujours d'ailleurs. Et on les fait plusieurs années après, plus par habitude qu'autre chose, parce qu'on n'y réfléchit plus trop. Donc une technique simple, mais qu'il faut faire, hein, qu'il faut faire, et je vous dis, je parle de ça avec mon expérience parce que j'ai mis des années en fait à la mettre en place. J'ai procrastiné pendant des années la mise en place de cette technique, mais pendant une semaine, toutes les demi-heures, vous allez vous poser la question, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et à chaque fois, vous allez essayer de vous dire, est-ce que je peux pas carrément éliminer cette tâche? Si je l'élimine, qu'est-ce qui va se passer dans mon business, dans ma vie? Peut-être qu'il ne va rien se passer de spécial. Est-ce que je peux la déléguer, la confier à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que je peux l'automatiser? Donc, utiliser un logiciel pour eh bien, faire le boulot à ma place ou en tout cas faire une partie du travail. Donc, ça, c'est une première technique. Ensuite, il y a le fait d'utiliser un logiciel de gestion de tâches, en fait. Vraiment, je trouve que, alors, pour certaines personnes, ça ne va pas convenir, mais dans mon expérience, ça convient que ça va aider beaucoup de personnes à être davantage productifs. Moi, le logiciel qui a vraiment transformé ma vie, c'est Habitica, Habitica, qui est en fait un logiciel qui gamifie votre vie et qui va en fait faire en sorte que votre vie devient un jeu vidéo. Mais du coup, d'une bonne manière, c'est-à-dire que ça ne va pas vous rendre addict à quelque chose qui vous apporte rien, comme regarder la télé tous les soirs, ça va vous rendre addict à accomplir vos propres objectifs. Parce que vous allez vous dire, par exemple, vous allez dire dans Asana, voilà, pas dans Asana, dans Habitica, pardon. Vous allez dire, voilà, tous les jours, je vais vous dire ce que je fais, méditer, réviser mon portugais, faire du sport, etc. À chaque fois que vous le faites, vous cochez des cases, ça vous fait gagner des points, de l'expérience, tout ça comme dans un jeu vidéo. Et si vous ne les faites pas, vous perdez de la vie. Et vous pouvez perdre des niveaux, vous pouvez mourir, etc. Et vous pouvez aussi utiliser ce logiciel comme logiciel de gestion de tâches en disant, voici ce que je veux faire aujourd'hui. Donc c'est très très pratique. Après, je dis ça, il y en a plein, plein d'autres, hein. Et la troisième astuce, c'est tout simplement. Quand vous regardez, quand vous envisagez de faire de mettre une tâche dans votre liste de choses à faire, justement, si la tâche prend moins de 2 minutes à être faite, vous la faites immédiatement. Ça ne sert à rien de la mettre dans la liste parce que le temps que vous allez la mettre dans la liste, puis après, à chaque fois que vous allez la relire, cette tâche, ça va vous prendre davantage de temps que de la faire immédiatement. Donc faites-la immédiatement. Et je veux dire, je pourrais en donner des milliers d'autres, il y a des milliers de manières de booster sa productivité. Alors, de toute façon, c'est assez clair. Si tu aimes ce que dit Olivier Roland, et je t'encourage à aimer ce que dit Olivier Roland, je vais te donner deux choses que j'ai prises moi dans mon quotidien. Mais en tout cas, dans ces cas-là, après, je te mettrai le lien, il faut acheter le livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Pour moi, c'est juste un indispensable. Peut-être qu'en plus, il va y avoir une deuxième, tu peux peut-être nous en dire plus, mais une réédition un peu plus Oui, sexy normalement publié l'année au niveau prochaine. de Ouais. la typographie, parce que tu verras, voilà. On a eu une Alors, grande parce discussion que là-dessus. je tiens à préciser, voilà, hier tu m'as dit, Olivier, faut que je te dise un truc, j'ai adoré ton livre, mais
Mais... la typographie, c'est vraiment à chier. Et t'as raison. Et je te dis, je suis entièrement d'accord avec toi. Je t'ai même demandé de me le dire en vidéo, de manière plus diplomatique quand même, pour mon éditeur, parce que voilà, clairement, je trouve qu'effectivement, la typographie dans la première version de Vivre était trop. Mais ça, j'avais pas de contrôle dessus. Et c'est mon éditeur qui a fait ce choix. Et c'est tout à fait compréhensible parce que le livre est énorme par rapport à la norme, en fait. C'est et ça. Pour mon éditeur, c'était un risque financier important. Et donc, bah, il a essayé de mettre le maximum de texte dans un minimum de place, qui je comprends. Et déjà, même avec ça, il fait quand même 520 pages. Donc, il faut dire quand même que c'est un risque financier pour mon éditeur. Maintenant que c'est un succès puisqu'il s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires, je pense qu'il sera d'accord pour mettre une typographie un peu plus jolie, sans compter que la deuxième édition sera un peu plus light. Donc en tout cas, si tu veux aller plus loin, moi je vais donner deux choses que je fais qui sont dans ton livre et qui sont des habitudes pour moi faciles à éliminer et qui augmentent, mais quand je dis que ça augmente la productivité, alors moi je suis le meilleur cas puisque j'étais un gros bouffeur de télévision, c'est-à-dire que je regardais tous les programmes à la télé, et j'ai lu le livre, Diète médiatique. Et en gros, l'importance de faire des choses qui vont influencer ta vie et d'arrêter de regarder des choses qui n'ont pas d'influence directe sur ta vie. What? Eh oui, c'est vrai en plus. Ah oui. Et c'est marrant parce que quand tu regardes plus la télé et que tu essaies de retirer, de combler ces vides par des choses qui t'inspirent, eh ben, tu fais de l'investissement immobilier, tu fais du business, tu fais de la crypto-monnaie, moi je suis un grand sportif, donc tu vas faire ta séance de sport alors que tu te disais avant, ben non, j'ai pas le temps de la faire. Mais si mec, si tu retires 3 heures de télé par jour, 4 heures, là j'ai fait une vidéo, c'est 4 heures la moyenne que passe 4 heures. En France, c'est une 4 heures absolue. Et tu peux pas me dire quand ça fait 4 heures que tu passes, enfin en moyenne, donc c'est qu'une moyenne, mais tu as forcément du temps pour faire d'autres choses plus inspirantes. Donc ça c'était un, et deux, c'était sur le petit déjeuner. J'ai changé mon petit déjeuner en lisant le livre, et parce que en fait, j'ai pas forcément suivi ton petit déjeuner, mais ça m'a fait me documenter et prendre le petit déjeuner qui me correspondait le mieux pour tenir au maximum. Après, ouais, on va pas rentrer dans le détail d'indice glycémie et tout, mais j'ai appris tout ça dans ton livre. Qui permet en fait de faire un cycle de digestion complet et du coup de tenir beaucoup plus longtemps et facilement la matinée, et ça amène de la concentration et tout ça. Donc si tu veux avoir tous ces détails, en tout cas le livre, faut y aller quoi, faut aller lire. Et 520 pages, c'est l'équivalent de lire 3 livres de 150 pages, parce que j'ai pas mal de personnes qui me disent dans mon entourage, quand je donne ton livre, oh, il est gros. Mais il est gros, bah tu le lis comme 3 livres de 150 pages. Exactement. Et en plus, si tu n'en payes qu'un, il fait 25 euros. Il y en a un qui m'a quand même dit, je crois que c'est 25 euros ou 27. Ouais, c'est 25. Il y en a un qui m'a dit, c'est cher. J'ai dit, bon, je peux rien faire pour toi. C'est vrai que. Peux rien faire. 25 euros, enfin bon. On part d'un. Ouais, c'est un mauvais mindset de base. J'avoue que hier, j'ai dit à Olivier, augmente ton prix. Enfin, je suis honnête, je te m'en fous de payer 50 euros même. Augmente ton prix, mais améliore la typo. Parce que même 50 euros, enfin. Faut se dire que quand on lit un livre, une petite digression, mais. Tu hack la tête d'un mec, c'est 4 ans dans toi. 4 ans de préparation. J'ai mis 4 ans à l'écrire, ouais. 25 euros pour hacker la tête d'un mec. Alors, comme moi j'adore Olivier Roland, alors. Mais n'importe qui que tu apprécies, 4 ans d'un mec à 25 euros. Ça fait pas cher l'année, quoi. C'est clair. Donc, il faut se mettre ça. Combien de temps tu vas prendre pour, même si tu prends que 10% du livre. 10% du livre. Rien que ça, c'est juste énorme. Tu prends 10% de tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Tu prends 10 actions principales dans ce livre et tu me mets un commentaire pour me dire ce que ça t'apporte. Mets-moi un commentaire déjà pour me dire yes, je l'ai commandé. Alors, autre question, je les ai notées, c'est peux-tu me donner la chose qui t'a permis la plus grande transformation alors, dans ton business et qui a t'a amené vers la plus belle croissance dans ton succès? Oui, bah écoute, c'est simple. Hein. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat très tôt puisque j'ai créé ma première boîte à 19 ans. Et finalement, ce qui a complètement transformé mon business et ma vision du business, c'est de me mettre au web, en fait, tout simplement. C'est bizarre parce que j'avais une boîte dans l'informatique, mais finalement, j'utilisais très, très peu le web. C'était une boîte très, très traditionnelle, entre guillemets, quoi, où je trouvais des clients par la voie traditionnelle, les passes jaunes, le bouche à oreille, ce genre de choses. Et je connaissais absolument rien au marketing Internet. Et du coup, ben, j'étais pas aussi efficace qu'aujourd'hui. Donc, à partir du moment où j'ai compris que le web était un super effet de levier pour l'entrepreneuriat et que je me suis mis à apprendre comment utiliser le marketing Internet de manière efficace, mes résultats ont complètement explosé. Ouais, donc, en gros, faut vivre avec son temps, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2.0 vers 3.0, il faut foncer sur cette partie-là. Il faut vivre avec son temps, et puis il faut savoir utiliser les bons outils efficaces qui sont disponibles à l'instant T, hein, aussi, tout simplement. C'est clair, tu as un smartphone, soit c'est ton pire ennemi, ouais, soit c'est ton meilleur ami. Ouais. Soit tu as Evernote connecté et d'autres applications, et dès que tu as quelque chose, tu le notes. Parce qu'en fait, ton cerveau, je crois que c'est dans ton lit, mais note dans la nuit, tu te réveilles, tu as une idée, tu la notes. Et parce que tu es sûr que le matin, tu vas plus t'en rappeler. C'est dans ton livre ? Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait, ouais, c'est énorme parce que je le fais. C'est-à-dire que des fois, dans la nuit, tu es persuadé, tu as une bonne idée, en montant un business ou même en investissement immobilier sur un montage, et tu es persuadé que c'est pas grave parce que le matin, tu vas t'en rappeler.
Mais je t'assure que dans 9 cas sur 10, le matin, tu t'en rappelleras pas. Rien que hacker ton cerveau d'une certaine manière, ça, comprendre comment ça marche et adapter du coup tes actions, c'est juste énorme. Mais ça, effectivement, c'est avec un bel ami, quoi. Ouais, c'est clair. Une question basique, mais si tu devais, en gros, si tu devais recommencer à zéro aujourd'hui en 2018, Oui. c'est quoi ton plan d'action sur 30 jours? 30 jours, c'est un peu court, hein. Pour faire quoi? Pour avoir un business qui tourne? Pour faire les premières actions Ah, les premières à actions. mettre en place pour au-delà de ton business qui tourne, le lifestyle que tu veux. Bon, alors, il faut que je me mette dans une situation où je perds mon expérience ou je garde mon expérience? Tu perds ton expérience. Tu es le. Bah, si je suis un newbie, je sais pas ce que je fais du coup. Du coup, Ok, tu sais pas ce on que va dire tu que je fais. perds tous mes sites et ma notoriété, mais bizarrement, tout le monde, personne ne se souvient de moi, ok? Tu Mais sais je pas. garde mon expérience. On va faire Ok, plutôt comme ça. d'accord. Dans ce cas-là, bon, mais on va dire, ouais. Mais je ne peux pas démarrer un blog que j'avais déjà créé. C'est compliqué, hein. Faut bien. Non, tu es en 2018, tu n'as Ouais. rien, aucun produit. Ouais. Tu veux vivre, ne Je me pas mets à la rêver place d'un ta vie, tu débutant. veux vivre ta vie Ouais. comme la plupart des gens qui nous voient, qui ont envie de tout ce qu'on appelle liberté financière, indépendance financière. Ok, c'est quoi ton plan d'action pour démarrer? Oui, et bah écoute, déjà, je fais la liste de toutes mes passions. Ça, c'est important parce que je sais, si on se focalise sur nos passions, on a davantage de chances de réussir. Il y a plein de gens, le cimetière en fait des débutants, c'est les gens qui abandonnent tout simplement en cours de route parce qu'ils bah, ils n'ont pas ni la motivation ni la discipline pour ça. Et donc, quand on choisit une passion, on augmente nos chances de réussir parce que comme on est intrinsèquement passionné par le sujet qu'on a choisi, on va avoir davantage de chances de s'accrocher, même si ce n'est pas obligatoire. Mais je ferai déjà la liste de mes passions et ensuite, je me demanderai quel est le potentiel économique de chaque passion et est-ce que j'ai une expertise dans ces passions qui ont un potentiel économique. Si j'ai pas d'expertise, c'est pas grave, je peux l'apprendre au fur et à mesure tout simplement. Et ensuite, ben, je lancerai un blog, je créerai une chaîne YouTube immédiatement, je repérerai des mots-clés que je sais que les gens recherchent et qui vont faire des bons sujets d'articles. Et derrière, je créerai une page Facebook, enfin, toute la panoplie des médias sociaux. Et ça dépend si j'ai du budget ou pas. Si j'ai des budgets, je pourrais déjà payer un petit peu de trafic pour amener vers ce qu'on appelle un lead magnet, un bonus qui va faire en sorte que les gens s'inscrivent, tu vois. Donc très vite, je crée la structure, l'écosystème, je commence à publier du contenu gratuit, je crée le bonus le plus vite possible parce que le but, c'est que les gens s'inscrivent à la mailing list pour que tu puisses les contacter, hein, qui deviennent des prospects. Ça me fait penser à quelque chose. Oui. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Si tu veux la télécharger gratuitement, le lien se trouve au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu mets ton prénom et ton email et je te l'envoie dans la foulée. Ça va te donner de la valeur. C'est en même temps un produit gratuit qui me permet ensuite de gagner d'avoir le contact avec toi et de créer un lien de confiance avec toi et de te montrer la valeur et la qualité que je peux te transmettre, par exemple. Oui, bah exactement. Et voilà, donc c'est exactement ça que je fais, tu vois. Et donc, je ferai ça. Et puis, alors par contre, en un mois, je n'aurai pas un business. Hein, ça, c'est clair. Ça prend quand même du temps. Donc voilà. Mais je mettrai déjà toutes ces actions en place parce que je sais que normalement, avec mon expérience, avant les 1 an, le premier anniversaire, je commencerai déjà à gagner de l'argent sans doute avant. Mais parce que je connais tout ça, si je démarre de zéro, c'est sûr que ça peut prendre plus de temps. Donc, un truc qui m'inspire dans ce qu'a dit Olivier, c'est qu'il n'a pas parlé statut fiscal, Non, c'est forme chaud. juridique. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose, que ce soit dans l'investissement immobilier, dans le business ou dans tous les trucs, arrête de te mettre des croyances limitantes alors que tu n'as rien fait. Fais et ensuite adapte les choses par rapport à là où tu vis pour les optimiser au maximum. Mais fais d'abord. C'est génial ce que tu viens de dire. À aucun moment, tu as parlé de choses qui pourraient te freiner dans ce premier mois de lancement. Un truc qui va faire un casse-tête pendant une semaine, Non, on deux s'en semaines. fout, Ah, c'est. on s'en fout parce que de toute façon, si tu sais pourquoi tu le fais et que tu mets les choses en place, tu vas trouver les solutions, quitte à lâcher un billet, par exemple, à un fiscaliste, à un avocat de société. Quoi qu'il arrive, il y a des gens qui vont travailler pour. Oui, puis même de toute façon, si par exemple tu es en France, tu crées une auto-entreprise, enfin maintenant c'est une micro-entreprise, et puis on n'en parle plus, hein, un problème réglé, et tant que tu gagnes pas de l'argent, tu n'as pas besoin de créer de structure. Donc, Donc, c'est très bon. Tant que tu n'as pas créé d'argent, ça sert à rien de te poser des fausses questions. Et c'est pareil en immobilier, ce que je fais là. Il y en a beaucoup qui me demandent, mais Damien, SCI, pas SCI, tant que tu as zéro revenu, ben, tu payes zéro d'impôt. 0 fois 50%, ça fait zéro chez moi. Et du coup, je leur dis, trouve le bien et après, on travaillera le reste. Et c'est exactement ça. Et du coup, voilà, je suis assez d'accord avec tes 30 jours. Bon, tu as mis un petit peu ton expérience. Moi, je voulais carrément sans expérience, mais on ne peut pas retirer. Ce qui veut dire quand même que dès aujourd'hui, quoi que tu veuilles faire, mange un peu du savoir, va hacker les différentes personnes. Et ça me fait penser à une question. Quel est le livre? Je suis presque sûr de connaître la réponse. Mais pour tout le monde, quel est le livre qui pour toi a changé ta vie? Est-ce que c'est TF, les initiales?
Oui, bien sûr. Bah, alors, comme j'en parle à peu près 17 000 fois par jour, je pense que tous ceux qui me suivent me le connaissent un peu. Mais effectivement, le livre qui m'a vraiment inspiré à me lancer sur le web, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Voilà, comme j'ai dit dans cet événement, un livre que je recommande à tous les entrepreneurs de lire, même si bien sûr on a le droit de ne pas être d'accord, mais tout le monde devrait l'avoir lu. Donc c'est un livre sur l'automatisation. Comment avoir une entreprise au service de sa vie plutôt que sa vie soit au service de son entreprise, tout simplement. C'est ça. Là-dessus, c'est juste que en fait, entreprendre, ça fait rêver tout le monde. Mais si c'est pour être au service de sa société, ne rien faire et ne pas travailler au-dessus de sa société, homme orchestre, chef orchestre, ouais. Et ben, pose-toi les bonnes questions de est-ce que au final, tu es heureux comme ça. Et tant que tu n'es pas complètement heureux, mais en te regardant face à un miroir et te posant les vraies questions, c'est-à-dire pas devant les gens en faisant semblant, mais face à toi. Et c'est là que c'est intéressant le développement personnel, de lire des livres vraiment inspirants. C'est pose-toi les bonnes questions. Est-ce que là, tout de suite, je suis vraiment heureux dans ce que je fais? Ou est-ce que je veux changer quelque chose? Et c'est vrai, moi, je l'ai lu, le livre de Tim Ferriss. Alors, je ne suis pas d'accord sur tout, mais on s'en fout. Est-ce qu'il faut être d'accord sur tout pour lire un livre? Non, parce que si tu prends 10%, 15%, 20%, mais tu évolues. Est-ce qu'il faut être d'accord avec tout le monde? Non. Par contre, tu peux prendre de tout le monde. C'est ça qui est pour moi super intéressant. J'ai une petite question au niveau mindset. Oui. Comment on se motive à se lancer dans l'écriture d'un livre de... On sait que, clairement, si on n'est pas même Marc Lévy, Guillaume Musso, on ne devient pas milliardaire avec un livre. Non, c'est clair, mais même Musso, il n'est pas même milliardaire avec son livre. Hein, non. À savoir que quand tu te fais éditer par quelqu'un, tu prends un faible pourcentage quand tu te fais éditer par une maison d'édition. Donc, c'est quoi qui t'a inspiré et qui t'a fait garder la niaque pendant 4 ans pour arriver à publier un livre où tu sais pas au final si ça va marcher ou pas, quoi? Ah bah écoute, c'est simple. Moi, j'étais déjà arrivé à un niveau dans mon entreprise où j'avais une entreprise qui me permettait de très bien gagner ma vie, qui en plus me permettait d'être complètement libre puisque grosso modo depuis fin 2010, je voyage 6 mois par an, plus de 6 mois par an. Et donc voilà, et qui d'inspirer aussi des centaines de milliers de personnes comme toi, tu vois, je t'ai inspiré à faire des tas de choses extraordinaires, donc ça me fait super plaisir. Donc voilà, j'étais en ce mode en disant waouh, je gagne plein d'argent, je suis ultra libre et j'inspire plein de gens à faire des choses positives, c'est génial. Mais quelle est l'étape suivante en fait? Tu vois, c'est un petit peu cette idée de pyramide de Maslow où en bas de la pyramide, tu vois, d'abord tu dois combler tes besoins fondamentaux, manger, boire, etc. Et puis après, plus tu combles tes besoins et plus ils deviennent différents et tu montes dans la pyramide. Et donc au final, les deux degrés supérieurs, c'est la réalisation de soi et la contribution au monde. Et je me suis dit comment je peux à la fois me réaliser et contribuer au monde. Et ben tout simplement, ce que je vais faire, c'est d'écrire un livre, parce que ça a toujours été un rêve pour moi. Et je me suis dit, je vais pas seulement écrire un livre, je vais écrire mon chef-d'œuvre. Je vais écrire mon chef-d'œuvre et ça va me permettre de me réaliser et d'apporter énormément de valeur au monde. Et donc, là, j'avais pas du tout d'objectif financier avec ce bouquin, pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de passer par un éditeur classique, parce que je voulais maximiser l'impact et le nombre de personnes que je touchais, plutôt que de passer par un éditeur, par moi en fait. Alors, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent en auto-éditant mon livre. Mais comme j'avais déjà suffisamment d'argent, c'est pas pour ça que je l'ai fait. J'ai fait vraiment dans le but d'aider un maximum de ce que j'appelle les rebelles intelligents, donc les personnes qui extérieurement peuvent avoir tous les signes de succès possibles, un beau diplôme, une belle voiture, une belle maison, un beau job, etc., etc., mais qui en fait à l'intérieur se dessèchent parce qu'ils ressentent l'appel de réussir autrement. Quelque part, ils ressentent que le métro boulot dodo, tu vois, passe le plus gros diplôme que tu peux, puis tu fais métro boulot dodo pendant 40 ans, puis tu profites de la vie quand tu auras déjà tes plus belles années derrière toi, c'est pas fait pour eux. Et souvent, ça passe par la création. La création artistique, écrire un bouquin, une pièce de théâtre ou que sais-je, la création de son aventure, genre faire le tour du monde, ou la création d'entreprise, tu vois. Et donc, j'ai voulu aider ces gens-là à écouter un petit peu leur petite voix et à se lancer dans la création pour pouvoir se réaliser davantage. Donc voilà, est-ce que tu es un rebelle intelligent? Alors, moi, je suis un rebelle intelligent et je suis la preuve que c'est après avoir lu ton livre que je me suis lancé dans un business. Et que, en fait, au-delà de se lancer, parce que c'est technique de se lancer, par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on se lance. Et pourquoi, à l'intérieur de soi, par exemple, même si on a des gros revenus, on a des gamins, on a tout ce qu'il faut, on dit, il manque quelque chose pour s'accomplir complètement. Je vais te donner un exemple. Là, je suis allé voir Olivier. Olivier, vraiment, il m'impressionne parce que pour moi, c'est franchement un mentor. Il y a quelques années, je ne serais pas allé le voir. Je ne serais pas allé jusqu'à lui serrer la main et tout. Je me suis dit, je ne serais pas allé lui demander une interview. Mais là, au fait, t'apprends que, au pire, il m'aurait dit non. Il aurait trouvé un prétexte smart pour me dire non, je fais pas d'interview parce que j'ai quoi faire. Enfin, il aurait dit n'importe quoi. Mais j'ai voilà. Quoi poney. Il aurait trouvé un prétexte smart pour me dire non. Mais qu'est-ce que j'aurais perdu? Maintenant, je me dis qu'est-ce que j'aurais perdu à lui demander alors que ça fait 2 ans que j'arrête pas de parler aux gens
d'Olivier Roland, parce que au-delà du côté, on voit toujours le côté financier, finance, les pépettes. On s'en fout, enfin, c'est plus facile à dire quand on gagne bien sa vie, quand on a. Mais au final, derrière ça, quand tu commences par exemple, moi j'ai des enfants, ce que je veux leur donner, c'est leur montrer qu'on est capable de faire des choses si on se donne les moyens de les faire. Et les pépettes, tu les auras de toute façon. Si tu fais les choses proprement, tu auras de l'argent. Si tu donnes, si je te donne et que toi, tu me suis, que tu as envie, tu vas continuer à me suivre parce que je te donne de la valeur, je te donne de l'authenticité. Et c'est ce que je trouve que tu transmets à merveille alors dans tes différentes vidéos et dans ton livre. Et c'est ce que moi, j'essaye de donner, c'est les valeurs, donner des valeurs. Il n'y a pas que l'argent. L'argent, on en veut tous, on aime tous l'argent. Mais en fait, si tu donnes des valeurs, si tu as des valeurs, comme tu fais, derrière, l'argent va te le. Tu seras récompensé ce que tu fais, tu gagnes super bien ta vie. Oui. Et moi, voilà, j'ai donné de la valeur, par exemple, sur mon business, et j'ai des revenus qui rentrent beaucoup plus vite que les autres. Mmh. Parce que j'ai pas besoin de ça aujourd'hui. Je veux impacter. Je sais que si j'impacte le maximum, je vais gagner gros cash. Exactement. Donc, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la vidéo? Oui, bah écoute, moi je dis toujours en fait, si vous êtes encore là, parce que la vidéo a duré longtemps, c'est que vous êtes super motivé, franchement bravo, et vous avez fait le choix là d'investir en votre propre amélioration plutôt que d'aller voir des vidéos de divertissement partout, comme des vidéos de chat sur Facebook par exemple. Donc bravo, félicitations. Et j'ai envie de vous dire, si vous êtes là et que vous êtes motivé à ce point-là, prenez juste une chose que vous avez appris dans cette interview et mettez-la en pratique dans votre vie dès aujourd'hui ou dès demain. Parce que de cette manière, cette interview, ce ne sera pas juste de la culture générale, ça va devenir une véritable, un enseignement pour vous que vous allez peut-être pouvoir transformer en compétence. Donc s'il y a quelque chose qui vous a parlé, vous avez dit tiens, ça je peux mettre en place dans ma vie dès aujourd'hui ou dès demain, faites-le s'il vous plaît parce que soyons très clairs, malgré le fait que je dis ça, la majorité de ceux qui vont regarder cette vidéo ne vont pas le faire. Ne faites pas partie de cette majorité qui ne fait rien, faites partie de la minorité qui agit. Et mettez en commentaire l'action que vous comptez faire au sortir de cette vidéo. C'est super important, mettez un commentaire parce qu'un engagement public, un engagement écrit, c'est vraiment fort. Et ça va vous engager inconsciemment, vous n'allez pas vous rendre compte, mais vous allez faire un ancrage et ça va vous engager à vraiment accomplir cette action. Petite stat juste par rapport à ce que tu dis, il paraît qu'il y a 90% des gens qui commencent un livre et qui ne le finissent pas. C'est comme tout. Si tu commences une action mais que tu la finis pas, elle est proche de zéro. Si tu regardes la vidéo YouTube et qu'à la fin, tu n'en fais rien, ne regarde plus de vidéo YouTube parce que dans ces cas-là, tu perds. Au final, tu perds ton temps. Il faut, même là où je suis d'accord avec toi, c'est une petite action. Même n'essayez pas de donner un objectif trop haut, mais donnez-vous un objectif atteignable et ça va vous encourager, vous, à l'intérieur, au câblage interne, ça va vous faire prendre au fur et à mesure des objectifs de plus en plus hauts. Moi, c'est ce que j'ai fait, je pense que c'est ce que tu as fait au début. Exactement. On a tous peur au début, on a tous peur de se planter sur quoi qu'on fasse. Moi, quand j'ai changé, je fais du sport de combat, quand je vais à une compétition, j'ai encore peur. Je flippe encore quand je monte sur un combattre. C'est normal, c'est cool la peur. Ça veut dire qu'on sort encore un peu de notre zone de confort. Je pense que ça t'arrive tous les jours. Hier, t'es monté sur scène. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, hier, t'es monté sur scène. Avant de monter sur scène, je suppose que t'as une petite. Toujours un petit peu. Ouais. C'est normal. Même si ça disparaît de plus en plus. Enfin, maintenant, aujourd'hui, ça disparaît très vite parce que j'ai l'habitude. Mais même malgré ça, tu l'as toujours un petit peu. C'est cool. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros like, la partager à tes amis qui sont intéressés par le développement personnel, par l'entrepreneuriat, par l'investissement immobilier. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu vas voir, tu appuies sur le petit bouton s'abonner, tu as une petite cloche. Tu cliques dessus, ça te permet de recevoir toutes les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. J'en publie environ 2-3 par semaine. D'ici la prochaine vidéo, en tout cas, je te dis passe à l'action dans ta vie, fais des choses. Merci Olivier. Merci. Ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Yes. Ciao, ciao, bye bye. Bye.